Les gendarmes, les militaires là, venez vous donner ces clés de micro. Lévis Aouo, ça comment? Bonjour à toi. Appelez les gendarmes là, les militaires, les policiers. Voilà. Ami Sirani, Fortem Morobe. Ami Sirani, Fortem Morobe. Sonda Safo Ouattara, c'est comment? Sogbi, on entend non? Sogbi, on entend non? La musique là, c'est un peu. Sogbi, on m'entend non? Si on m'entend, dis-moi, il a commencé. Il y a un gueulé moteur. Voilà, il y a deux sujets. Militaire et puis divers. Mais c'est dans divers, il y a plus. Oh, c'est bon non? C'est dans divers, il y a plus. Il y a plus m'attarder un peu, voilà, parce que. Voilà. Trop c'est trop. Voilà, là on entend bien. Ouais, bonjour les champions. Voilà, cette vidéo c'est pour m'adresser aux militaires. Voilà. Policiers, gendarmes, FSI. Et les patrons, voilà. Et j'ai affaire à les patrons. Voilà. Et après maintenant, je vais parler de divers, de ce qui se passe sur la toile. Voilà, parce que j'ai regardé les vidéos hier. Bon, j'ai juste dit des petits trucs. Bon, je n'ai pas trop rentré dans le fond, quoi. Voilà, parce que moi, je ne suis plus à ce level de faire des vidéos
clash par vidéo interposée. Voilà, parce que j'ose croire que quand un enfant on le met à l'école, on le met au CP1. Après il s'en va au CP2. Après au CE1, CE2. C'est-à-dire qu'il évolue. Il n'est pas resté dans le clash en 2014 jusqu'en 2018. Voilà. C'est du concret maintenant. Voilà, parce que Facebook, là, tout le monde est lion. Voilà. On doit maintenant prouver maintenant. Voilà. Dans les champions, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser aux militaires. Voilà. Quel dit militaire, c'est FSI, aux fourreurs, policiers. Voilà. Par rapport au fléau de microbes, voilà, qui se propage en Côte d'Ivoire. Le fléau de microbes qui se propage en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui sème la désolation dans toutes les familles. Voilà. Sans que l'État de Côte d'Ivoire puisse brancher. Voilà. Les gens sont inactifs face à ces jeunes microbes qui se font tristement célèbres. En temps normal, c'est des bandits. C'est des gangsters. C'est des kidams. C'est des scélérats. Mais l'État de Côte d'Ivoire, comme si j'étais les parrains de ces gens, là, disent que c'est des enfants en conflit contre la loi. Ah, c'est le nom qu'on a attribué au microbe. On dit enfants en conflit contre la loi. Mais quand on dit, quelqu'un en conflit contre la loi, on doit le combattre. Mais comment des gens sont en conflit contre la loi et vous partez les cantonner d'un cas, d'un endroit pour les éduquer? Mais cela va sans dire que c'est vous qui êtes les parrains. Parce que quand on dit quelqu'un en conflit contre la loi, là, il se met en marge de la société. Donc la loi se doit le réprimer. Mais vous dites quelqu'un en conflit contre la loi et vous les prenez, vous allez les cantonner. Donc cela va sans dire, si on veut aller au plus profond de ce mot-là, c'est que vous êtes les parrains des miliciens, là, des choses, là, des microbes. Là. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un en conflit avec la loi prospérer sans que même les gens puissent parler. Voilà. Mais comme nous, chez les militaires, voilà, on ne peut pas toujours continuer à se marcher dessus. Les gens, les corps habillés du camp commando ont démontré que par A plus B, que malgré, force revient à la loi. D'abord, force revient à la loi parce que le corps habillé est le garant de la loi. Ils sont là pour faire respecter la loi. Et vous attribuez des gangsters sous la bannière des enfants qui sont en conflit contre la loi. Mais on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand l'enfant, on t'allume, la loi, là, ça ne s'apprend pas au collège, au lycée. Voilà. Il n'y a pas un coup de dire non, voyez la loi. Non, ça ne s'apprend pas. Mais quand tu as la justice et puis tu as fauté, on dit, ah monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Mais tu n'as pas dit au juge, ah mais monsieur, il n'est pas appris à l'école. On dit, mais on n'apprend pas ça à l'école, mais tu vis en société, tu dois être en conformité avec la société. Voilà. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. L'État de Côte d'Ivoire laisse prospérer, se propager un fléau. Et quand les gens sèment la désolation, ils ne sont même pas capables de dire non, mais ces microbes, on va les combattre. Ils ne les combattent pas. Mais désormais, le corps habillé, ils vont prendre le destin à main. Voilà. Ils vont prendre le destin à main. Voilà. Et ça vient de commencer par le camp commando de Kumasi. Voilà. Mais chez nous, les militaires, voilà, on va plus se laisser faire. Au moins, si c'est à l'intérieur, eux, on peut les tuer, ils ne vont pas réagir, vu que ouais, c'est une petite bougade. Mais à Abidjan, ils ont compris. En 48 heures, ils ont mis la main sur les scélérats. Et autant de fouets, autant de bédiers. Un corps habillé lui seul, un commando lui seul, il peut frapper tout un quartier. Mais depuis les années 98, 2000 jusqu'à 2011, le corps habillé a été spolié de sa force. Pourquoi? Parce que vos patrons sont corrompus. Voilà. Les patrons militaires, là, c'est à vous et pas. Vous êtes corrompus. Voilà. Pas le racket. Parce que les gens qui ont fait des vidéos, vous dites non. Quelqu'un était corps habillé et racketait. Voilà. Mais quand il dit corps habillé, racket, c'est que tu ne connais pas la définition du racket. Le racket là, c'est une activité criminelle. Voilà. Le racket, c'est une activité criminelle. Voilà. Eux, c'est le procédé des mafias. Voilà. Quand on dit activité criminelle, c'est du chantage avec violence. Mais moi, j'aimerais bien un corps habillé, violenter quelqu'un, le chanter pour pouvoir l'escroquer de l'argent. Voilà. Donc ne confondez pas pot de vin dessous de table avec raquette. Voilà. Soit on dit le corps habillé, ça donne à des dessous de table ou des pots de vin. Je peux comprendre.
Mais quand on dit racket, c'est très fort. Racket, c'est le procédé de la mafia. Vous savez, le racket, c'est une activité criminelle. Et donc, sachez placer les choses dans leur contexte historique. On ne vient pas là pour dire non, que quand on a bien racket. Quand on a bien racket, pas. Voilà, au moins, si on dit, on dit pot de vin, je peux me reconnaître dedans. Si on dit, il dit quoi lui là hein? Dessous de table, je peux me reconnaître dedans. Mais quand on dit racket, moi, c'est pas mafieux pour racketter les gens. Parce que le racket là, c'est inclus le chantage, estoquer des fonds sous la menace des âmes. C'est ça du racket. Dans les patrons des corps habillés là, arrêtez de prendre les dessous de table avec les chefs syndicats. C'est parce que vous prenez les dessous de table avec les chefs syndicats que ces derniers manquent de respect à vos éléments quand ils vont en patrouille. Quand ils vont en patrouille. Voilà. L'armée de Côte d'Ivoire a été vidée de son sens. Pourquoi? Parce que vous avez vendu le titre de cette armée en prenant les dessous de table avec les chefs syndicats. Voilà. Et je m'adresse au patron des corps habillés, les gendarmes là. Parce que j'étais gendarme, il sait comment ça se passe. Voilà. Vous battez voir les chefs syndicats, ils vous donnent des pots de vin. Et quand vos éléments vont sur la route, ils vont en police route. On leur manque de respect parce qu'on dit non, je comprends être ton patron. Non, tout ça sera fini. Tout ça sera fini. Si vous voulez que ouais, l'éthique des militaires soit respectée là, tout ça, c'est dessous de table, le pot de vin là, sera fini. Voilà. Corps habillé, raquette pas. Parce que le raquette, c'est une activité criminelle. Voilà, moi je sais que les corps habillés ne sont pas des criminels. Voilà. Ils sont là pour assurer la protection des biens et des personnes. Ils sont aussi le garant des lois. Mais ce n'est pas des raqueteurs. Voilà. Mais par contre, vos patrons qui vont prendre les pots de vin, les dessous de table avec les chefs syndicats ou bien avec des transporteurs. C'est ça qui fait qu'ils discréditent vos éléments que vous envoyez sur le terrain. En train de dire qu'ils sont lynchés par la population. Parce que ouais, vous les avez déjà vendus. Vous dites non, ceux-là, ils sont rien, je suis les patrons. Je suis les patrons. Donc quand ils sont sur la route, ils sont humiliés. Pourquoi? Parce que vous partez prendre les dessous de vin. Mais quand vous prenez les dessous de vin avec un opérateur économique, vous êtes dans sa poche, vous ne pouvez plus parler. Voilà. Donc c'est lui qui vous contrôle. Mais l'armée n'est pas là pour que les civils le contrôlent. Lui qui peut contrôler l'armée, c'est le président qui est le chef suprême des armées. Voilà, avec par le biais de son ministre de la Défense. Sinon, un opérateur économique ne peut pas avoir un commandant militaire à sa poste sous prétexte que le gars s'en prend tout dessous les tables et les pots de vin. Voilà. Donc désormais, à partir d'aujourd'hui, si un microbe tue dans une commune, les militaires ou bien les gendarmes, allez, vous frappez tout le monde. Voilà. Oui, c'est comme ça. Autant de oufouets, c'est comme ça. Voilà. Quand on frappe un corps habillé ou bien on frappe un corps habillé d'un quartier, toute l'armée descend et puis on met du sec. Voilà. Parce que entre ces gangsters et les corps habillés, il ne doit pas avoir les cris de la terreur. Non. Il ne doit pas avoir les cris de la terreur. La paix doit changer de camp. La paix doit changer de camp. Voilà. Donc, juste vous dire. Arrêtez de prendre les dessous de table avec les chefs syndicats. C'est ce qui entraîne le non-respect de vos éléments que vous envoyez sur la route, en police route. Parce qu'ils se disent non, vos patrons ont déjà corrompu, donc vous êtes qui vous êtes rien. Voilà, non, on ne veut plus ça. Voilà. Et désormais, quand un microbe va venir, soit il va s'illustrer de la plus mauvaise manière avec les civils et qu'il y a des dégâts matériels, vous envoyez vos éléments, on frappe tout le monde dans la commune. Voilà, comme c'est que comment c'est fait. C'est comme ça que ça se passe. Même partout dans toutes les armées, ici en France, dans toutes les armées, tu tues un policier, on arrive là, on frappe tout le monde. Voilà. Ça se passe partout. Ça, c'est les armées conventionnelles. Mais vous, les microbes, tuent les gens, on veut les frapper. Vous dites non, c'est des enfants en conflit contre la loi. Mais quand tu es en conflit contre la loi, ta place n'est pas dans un asile de fou. On te met en prison. Voilà. On te met en prison. Donc, on ne peut pas laisser prospérer des criminels. Quand vous laissez ces derniers prospérer, c'est comme si c'est une milice à votre sol. Parce que quand une milice, la définition d'une milice, c'est une police parallèle. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle le français. Parce qu'il y a des gens qui juxtaposent, en tant que personne en tout cas, qui juxtaposent les expressions. Quand une milice, c'est une police parallèle à la sol de quelqu'un. Mais si vous dites des microbes, ce sont des enfants en conflit avec la loi, que vous allez les cantonner quelque part. Donc c'est que ça sentait que c'est vos milices qui sont là pour faire votre sale besogne pour maintenir la population dans la torpeur. Voilà, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui se dessine.
On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir cela. Voilà. Parce que si vous protégez des criminels, c'est pour que ces criminels fassent de sales besoins pour maintenir la population dans la torpeur. On ne sait pas c'est pourquoi. Voilà. Donc, dorénavant, la commune d'unité, si vous entendez qu'un microbe a agressé un gars d'un quartier, vous arrivez, vous diversez, vous frappez tout le monde là-bas. Là, quand vous allez faire ça, ils vont se désigner. Il n'y aura plus de microbe. Un microbe tue à Bobo. Vous déversez toute la mer à Bobo. Vous frappez tout le monde. Vous les frappez tous. Voilà, on met du sec. Voilà comment ça a commencé. En fait, c'est ce qu'on faisait, mais les gens ont dit non, n'accélérez pas la population. C'est rentré ici, mais les militaires ne veulent pas du contact à ces machines là-dessus. Et ce qui est bizarre, depuis que Ouattara est venu, c'est sous son pouvoir, il y a eu plus de morts de Corabier. Assassinés lâchement. Les autres ont tué Caillou. Les autres ont tué Goudin. Tout ça à cause de qui? À cause des patrons qui prennent des dessous de table, qui ont les opérateurs économiques dans leur poche. C'est pas normal. Voilà. Donc arrêtez de prendre les pots de verre avec les gens. Plus vous prenez les pots de verre avec les opérateurs économiques, plus vous réduisez la force de frappe de vos éléments. Ils seront inactifs. Ils ne pourront plus rien faire parce que le patron mange avec eux. L'armée là, c'est pas commerce. Voilà, si tu veux faire ton commerce, tu démissionnes de l'armée. Si tu veux faire ton commerce, tu démissionnes de l'armée, tu t'enquêtes la police souhaité. Mais l'armée là, on ne vient pas vous faire commerce. On ne vient pas pour venir estorquer des gens. Et la plupart de vos chefs là, c'est ce qu'ils font. Voilà. Prendre des pots d'hiver avec les gens pour réduire la force de vos éléments. Voilà, quand ils arrivent, soit à commencer à abattoir. On dit non, ne venez pas rafler ici. Parce que votre patron le connaît. Il vient voir nos patrons, il vient voir nos chefs. C'est quelle armée ça? Même s'il y a des brigands aidants, parce que mon patron prend des pots de verre à vous, on ne doit pas aller vous rafler. Voilà. C'est vous qui avez fait que le phénomène microbe a prospéré. Voilà. Et moi, les gens m'ont envoyé des messages, des collabus, ils m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus un chef va prendre pot de verre à les chefs syndicats. Parce que quand vous prenez les pots de verre avec eux, ça réduit la force de vos éléments, ils ne peuvent pas aller faire le travail. Mais ils ont vu que trop, c'était trop. Ils ont pris eux-mêmes leur destin à deux mains, leur courage à deux mains. Ils ont mis du sec. Ça donnait un bon résultat. Les gens ont pu mettre la main sur ces deux cylindres. Voilà. Donc, de l'en avant, ça s'est passé comme ça. Si ça arrive pour moi, on dit un microbe a tué quelqu'un ici. L'armée vient. Voilà. On frappe tout le monde. Voilà. On frappe tout le monde, rayon 2 km. On frappe tout le monde. Si ça à Cocody, on dit microbe a agressé là. On frappe tout le monde, rayon 2 km. Là, quand on fait cela, eux-mêmes, on s'est désigné et puis ça a pu exister. Voilà. Maintenant, si les gouvernants. Je ne veux pas que vous faites cette pratique. C'est que les microbes sont à la solde du gouvernement. La preuve en est. Ça saute à l'œil. On dit enfin en conflit à la loi. Même comme il y a un conflit à la loi, on est en prison. Mais comment des gens peuvent être en conflit à la loi? Comment des gens peuvent aller contre la loi? Et puis ils sont fiers de dire ça. En conflit avec la loi. Ah, Dieu! Non, même si on n'a pas les lois à l'école. Voilà. Et puis ce qu'il dit, ça sert sur toutes les derniers territoires. Hein. Ce n'est pas que à bien seulement. Sur toutes les derniers territoires où il y a le corps à biais. Vous assistez à un cas de vol, ou soit un microbe a piqué quelqu'un, vous arrivez dans cette bougade, vous frappez tout le monde, ils vont le désigner. Ils vont le désigner. Voilà, ils vont le désigner. Toi, tu me parles des salaires, ils disent qu'ils n'ont pas de salaire. Voilà. Et puis, vous êtes toujours coutume à dire non, que les corps abusés, ils n'ont pas de salaire, ils sont payés avec l'argent du contribuable. Mais corps abusé, là, avant d'être corps abusé, là, il est d'abord un citoyen. Voilà, il s'acquitte de ses impôts. Donc tout le monde est payé à elle du contribuable. Voilà. Et le racket là, qui envoie le racket? Ce n'est pas le corps habillé. C'est vous pour bénéficier d'une circonstance atténuante. Lorsque vous êtes en erreur, c'est vous qui proposez. Sans le corps habillé, je me dis, ah toi, tu n'as pas permis. Donne telle somme, jamais. Il veut te verbaliser. Je prends un exemple palpable. Ici en Europe, un gars peut oublier son permis lors d'un contrôle. Le policier l'arrête. Il dit, il a oublié son permis. On lui donne ton nom. On tape, baya, baya. Ça sort. Il avait permis. Ça sort. Parce que tout est informatisé. Mais en Côte d'Ivoire, un gars, bien vrai qu'il a son permis. Il a oublié son permis à la maison. Il sort là dans le contrôle, tu le contrôles. Tu dis, monsieur, ton permis. Il l'a oublié. Mais toi, le corps a bien là. Tu fais comment pour vérifier pour savoir qu'il a un permis? En Afrique, tu fais comment pour vérifier que le gars a un permis? Il te dit son nom. Il fait sa 40. Tu vois que c'est le nom de la 40 qui figure sur la pièce de la voiture.
Oui, c'est bien vrai, c'est plus la voiture, mais qu'est-ce que tu lui as permis? Voilà. Tu veux le verbaliser. Mais le gars, tu sais que vraiment, la calanté, là, c'est son nom. La pièce de la voiture, c'est son nom. Obligé, il a un permis. Mais comme on peut pas se contenter du mal du vu pour pouvoir blâmer, nous, on oublie de faire un procès verbal. Donc, le gars, il peut dire, ah, chef, mais quand même, tu as vu que je m'ai présenté avec les pièces de la voiture qui sont en parfaite harmonie. Je ne veux pas ne pas avoir un véhicule, puis avoir un chose. Je ne veux pas ne pas avoir un permis, et puis je m'accompagner un véhicule. Voilà. Donc, c'est comme ça, l'usager de la route propose quelque chose au corps d'arbitre qui accepte. Voilà. Sinon, la corruption, ça part de vous. Voilà. La corruption part des citoyens. Si on veut mettre la loi en pratique, le code de la route, là, aucune voiture va rouler encore du bois. Voilà. Bon, on s'est dit que nous sommes en Afrique, et les gens connaissent le problème. Si on veut faire leur travail comme c'est toi là. Aucune voiture ne va rouler. Ici en France, là, eux mettent la loi en vigueur. Hein. C'est quoi pas corruption? Voilà. Ton pneu est cassé, tu as mal garé, ça sonnait pendant une heure sur autoroute. On vient te prendre, bailler entièrement en même temps. Mais en Afrique, on dit non, il est allé à l'hôpital. Comme nous, les sentimentales. Non, il est allé à l'hôpital. Ma femme a accouché, raison pour laquelle on comprend un peu. Il a dit, ah, chef, pardon. Tiens. Toi, tu ne te demandes pas, il te donne. Voilà. Maintenant, quand vous ne voulez pas qu'on vous arrange, vous pensez que ouais, c'est la corruption. Bon, on va appliquer les tests. Tu oublies ton permis à la maison, on met bailler. Contravention, c'est 22 000, tu n'as pas dit que ça aux finances. Voilà. Parce que vous, avez remarqué les noirs, qu'on veut vous arranger. Après, de notre cas de figure, non, c'est des racketeurs. Et puis encore, vous employez un gros mot, raquette. Raquette, c'est une activité criminelle. Voilà. On raquette quelqu'un sous contrainte d'une arme à feu, extorsion. Voilà, ça, on dit raquette. Mais on dit qu'on a bu raquette. Quand les gens vous demandez là-haut, genre, est-ce que vous venez avec une arme? Parce que le raquette, là, c'est le procédé des groupes mafieux. C'est eux qui utilisent le racket. Voilà. Donc ne prenez pas, n'attribuez pas les noms aux gens. Voilà. Ne dites pas que quoi la bille racket. Voilà. La caisse, c'est un mot qui est très fort. C'est une activité criminelle. Voilà. Au même si vous dites pot de vin, voilà, les dessous de table, ils peuvent comprendre. Mais racket, c'est un mot qui est trop fort pour le quoi la bille. Parce que c'est une activité criminelle. Ça, c'est le procédé des mafieux. Voilà. Ça, c'était la première. Et du coup, là. Mais c'est pas les mêmes microbes qui tuent les civils, donc nous on doit aller frapper tous les militaires. Je dis comme les gars. Il dit quoi, Ahmed Silla? Il dit mais pourquoi on leur donne et puis ils ne refusent pas? Il peut refuser, il n'a pas demandé. Voilà. C'est pas qu'il veut être indulgent. En Afrique, on est indulgent. Voilà, nous en Afrique là, on accepte le pardon. Maintenant, c'est ce que vous disiez. Si vous voulez que les corps la bien fassent, ils vont faire le travail. Si on fait le travail là, il n'y a pas de voiture qui va rouler encore du bois. Il n'y a pas de voiture qui va rouler. On va appliquer la loi. Tu griffes et on met baya, 22 500. Vous savez pas si votre va rouler ici? En fait, vous voyez, c'est votre mauvaise foi, c'est l'ingratitude. Quand vous êtes en erreur là, vous faites pitié comme des serpents. Quand tu as venu me dire non, pourquoi on propose? Il accepte. Ok. Dorénavant, ils ne vont plus accepter. On va rouler sur les tests. Voilà. Ça c'était côté corps habillé. Maintenant, il y a constaté des rififis. Voilà, sur la toile. Les gens sont encore dans les clashs. Voilà. D'autres parlent des armes à feu. Qui vont enlever armes à feu contre les gens. Voilà. Les gars, ceux qui parlent des armes à feu, là, voilà. Parce qu'ils ont fait une vidéo, on dit kilo. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon militaire, quand on dit kilo, c'est dit kalash. Voilà. Ah, donc vous avez des kalash. Ah bon, d'accord. Mais les kalash que vous aviez là, vous aviez ça au pays. Et vous n'avez pas utilisé ça en bon escient. Vous avez pris vos kalachas pour enterrer ça et aller vous cacher dans les jupons de vos femmes. Voilà. Donc on vient sur la toile. On ne parle pas de kalash. Voilà. On ne parle pas de kalash. On ne se donne pas un genre qu'on n'est pas. Voilà. Parce que vous avez eu l'occasion d'avoir les kalash en Côte d'Ivoire et de les mettre en pratique. Vous avez eu l'opportunité d'avoir les kalash. Et les mêmes kalash, vous avez enterré ça dans vos maisons. Vous allez vous cacher dans les jupons de vos femmes. Donc on ne vient pas sur Facebook pour dire non, kilo va sortir dedans. Même si kilo sort dedans. Kilo, ça ne fait pas peur à quelqu'un. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire, moi je ne suis plus dans les clashs de vidéos interposées. Parce que sur Facebook, tout le monde est lion. Voilà. Tout le monde est gros sur Facebook. Moi je ne suis plus dans le clash de Facebook. Voilà. Parce qu'un enfant qu'on lui met à l'école, il fait CP1, CP2, CE1. Voilà, on reste pas statique. Moi, je n'ai pas fait clash en 2015, en 2016, 2017. Il y a que c'est dans clash. Non. On passe à la vitesse supérieure.
Moi, tu vas venir faire ton Kia ici, Facebook. Je ne vais même pas m'occuper de ça. Voilà, parce qu'il y a une autre étape. L'étape suivante, c'est quoi? Voilà, moi, tu me veux là, on se donne rendez-vous et puis on se bat. Voilà. Tu me veux, tu me donnes rendez-vous, on se bat. Mais vidéo interposée, venir raconter de la merde, venir mentir, toi la dit que, jusqu'à vous dites non, Kalash va sortir dedans. Mais Kalash, même vous avez eu peur de ça. Vous avez pris votre Kalash. Quand ça a commencé en Côte d'Ivoire, on se connaît, vous avez pris votre Kalash, vous avez creusé tout. Et puis vous avez enfermé ça. Vous allez vous cacher dans les jupons de vos femmes. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, nos Kalash, là, quand ça a commencé, là, on allait au fond, et ça. Voilà. Il peut les sortir notre Kalash de la bobo. Puis on est venu encore continuer la fête encore à Yopougon. Jusqu'à ce qu'on dit, prrr, déposer les âmes. Et puis on a déposé. Voilà. Donc on a fui, quand on a pas dit sa Kalash, dresse sa maison là. On ne vient pas dire dans la fête de Facebook qu'on fait sortir kilo. Mais kilo là, Diva est frère qui est kilo. Voilà. Je ne réponds pas à quelqu'un. Mais je dis, quand on est sur Facebook là, laissez votre affaire de kilo. Voilà, parce que vous avez eu l'occasion d'avoir des kilos. Voilà, et faites de ça ce que vous voulez avec vos kilos sur le champ de bataille. Mais vous avez préféré aller vous cacher dans les jupons de vos femmes et enterrer vos kilos. Voilà. Dans les Kalash, vous avez enterré ça, vous allez faire la guerre ça. Voilà, donc c'est pas si Facebook en venir dire ouais, Kalash va sortir dedans. Donc quand vous poussez, on va vous traduire en justice, c'est que c'est la vérité. Parce que votre plaignant, il a dit non, que je ne suis plus en sécurité. Mais parce que vous n'avez pas eu de Kalash. Pour ceux qui ne connaissent pas Kalash, dans le jargon qu'on a dit, on appelle ça kilo. Voilà, kilo, c'est du Kalash. Voilà. Donc, si vous poussez, vous traduisez devant les tribunaux, c'est normal. Parce que dans votre parole, vous avez dit, vous avez les Kalash. Voilà. Donc, on sait que c'est encore une fois, les Kalash existaient. Voilà. Moi, ici, je fais plus vidéo clash avec quelqu'un. Voilà. Parce que sur Facebook, tout le monde a force. Voilà. Moi, Zepec, vous voyez, Zepec, il était ici. Il est là. Si il me clash avec Zepec, il va me faire vidéo. Je me dis, Zepec, non, vidéo, il n'y a plus rien dedans. Viens, on va se battre. Et ça qui marche maintenant. Il n'y a plus à faire de clash sur Facebook. Ça ne donne plus rien. Vous savez, en fait, clash sur Facebook, wow, chacun a parlé, ça n'a pas résolu quelque chose. Ok, quand il y a un yaga, boum, là, on se respecte, quand on se voit là, on se dépasse. Voilà, ou même quand il y a un là, tu as peur, ou même quand moi je te vois, j'ai peur. Mais si Facebook, si on continue à faire clash sur Facebook, j'ai fini. Mais c'est si Facebook souris devient agouti. Voilà. Chat devient lion. Et puis ça lance le chiaï, ça menace partout ça. Moi, je ne suis plus dans ça, voilà. Dans ce qui veut me clasher sur Facebook, ça c'est l'affaire. Clasher moi sur Facebook, moi, il n'y a même plus de répondre à ça. Mais pour vous dire, Dérou, si tu veux entendre en clasher moi, tu dis, ah champion, je vais te clasher. On se donne rendez-vous et puis on se passe et tout, voilà. Sinon, à faire le Facebook là, moi je suis plus dans ça, pour faire clasher Facebook. Voilà. Mais je répondais aux gens qui disaient, ah, qu'ils ont kilo va sortir dedans. Ça, il a dit, votre affaire des kilos, vous avez eu le temps d'avoir les kilos en Côte d'Ivoire. Et puis vous avez pris kilo, vous avez mangé ça. Vous allez vous cacher dans le jupon de vos femmes. Ok, nous, dans notre kilo là, il y a témoin qu'elle est. On en allait sur le front. Et puis on fondait. On a donné notre kilo là. Voilà. Donc quand on parle un peu, on dit fuyard. On dit plaisanteur. Pour ceux qui me connaissent, on sait que moi, je ne suis pas un plaisanteur. Voilà. Moi, je ne suis pas un plaisanteur. Voilà. Mais à une certaine époque de la vie, faut gagner en maturité. Voilà, faut pas tu rester dans la bêtise. Voilà, raison pour laquelle on essaie de s'assagir. Mais quand on s'assagit, puis on répond pas là. C'est pas parce que ouais, on appelle quelqu'un. Voilà, parce que faut pas tu répondre aux injures. Voilà, faut pas tu répondre aux injures. Voilà. Passer tout votre temps à dénigrer les gens. Mais quand vous les dénigrez, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? On nous sommes au bout du tunnel. On gagnerait mieux à se mettre ensemble et à l'accueillir notre leader à la haie le 1er octobre dans les clash par-ci, par-là, clash ici, clash par-là. Mais clash, ça s'est révolu. Parce que quand on met au CP1 là, il fait CP2, il fait CE1, il fait CE2. Voilà, mais on reste pas tout dans clash. Non, faites du concret les gens. Quand on menace un jour là, on met ça en exec. Voilà, on laisse pas là pour crier sur Facebook. Sinon, en fait, on peut crier là-bas. Mais moi, on a vu que c'est du bluff vous faites. Voilà, non, on n'est plus dans ça. Non, quand vous voulez crier, crier, non, en plus vous répondre. Voilà, c'était juste une précision. Voilà, quand on veut parler là, il ne faut pas encoder. Voilà. Dis aux gens que ah, tu vas enlever Kalash dans l'affaire de Facebook. Voilà. Maintenant, moi, il revient dire, affaire de Kalash, tu as eu le temps d'avoir ça en Côte d'Ivoire. Puis tu as maillé ça. Tu as creusé ça direct. Tu as mis ça direct à ta maison. Voilà, pour être caché dans le jupon de ta femme. Pendant que nous, on est dans le clash, on est pistolet, on était sur le terrain. Voilà. Donc, arrêtez de venir trafiquer les gens ici.
Voilà. Donc c'est tout ce que Tina a dit. Voilà. Réconciliation ou rien. Voilà. Ils ne rentrent plus dans les belligérances. Voilà. Donc rendez-vous aussi à la haie. Départ le 30 septembre pour arriver là-bas le 1er. Voilà. Donc sur ce, c'est ma vidéo, on est ensemble. Ciao, ciao. Bye bye.